Merci Céline pour votre activité. Je vous en prie. Oui, il y a pas mal de monde en salle d'attente. Je vois, je vois. Bonjour à ceux qui sont arrivés. Ah, je vous ai désactivé le son, excusez-moi, Noémie. Le remet. Oui. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est juste que de toutes les façons, là, j'ai repris la commande, c'est que les établissements de santé, hein, et ils veulent pas les. Alors, on va peut-être commencer. Il est 13h33. Céline, je vous laisse continuer à admettre au fur et à mesure. Alors, bonjour à tous et bienvenue, du coup, dans ce webinaire, donc, qui consiste à vous présenter un petit peu le projet qui est nommé Attractive QVCT. Projet qui a commencé en janvier 2023, 24, pardon, et qui va se poursuivre du coup sur l'année. Donc vous le savez peut-être déjà, vous n'êtes pas les premiers puisqu'il y a déjà eu des établissements qui ont participé donc depuis ce début d'année là. On va revenir sur tout ça. Donc c'est un projet qui vise à venir, ben, on l'espère, améliorer l'attractivité de vos établissements à travers l'expérimentation d'actions QVCT, donc QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Donc aujourd'hui c'est un webinaire de présentation pour vos territoires, donc qui sont le 13 et le 84. Mais comme je disais, ce projet a déjà débuté avec les autres territoires de la région. Donc, voilà, vous n'êtes pas les premiers. On va revenir sur toute l'organisation autour de ce projet. Donc, j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Super, parfait. Oui. Génial. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je le disais également, ce webinaire est enregistré puisqu'il y aura un replay qui sera disponible sur le site de la RACTE PACA, replay donc à destination des établissements du 13 et 84, qui vous permettra aussi de le revisualiser ou de le transmettre à vos collègues si besoin. Est-ce que c'est bon? On peut débuter? Céline, ça arrive encore? Alors, un petit peu, oui, c'est là pour l'instant. Ah, oui, ça continue. Il y a un petit flux d'arrivée. Alors, si vous voulez, donc, je vais me présenter. Bon, on a laissé 5 minutes. Peut-être que là, on peut débuter si vous le souhaitez. Parfait, je vais continuer à admettre. Oui, c'est vrai que ça continue d'arriver, oui. On est à 59 participants. Alors, donc, bonjour à tous. Je m'appelle Céline Sanchez. Je suis chargée de mission RH en santé à l'ARS PACA. Donc, je suis aux côtés de Noémie aujourd'hui, qui donc, représente l'ARACT PACA. Donc à notre niveau, en fait, on a eu le souhait donc de financer ce projet Attractive QVCT, qui est donc mené sur le terrain par l'ARACT, car c'est un projet qui nous semble important et qui semble œuvrer à notre sens dans une démarche un peu stratégique, hein, de mise en réseau des acteurs, des établissements de santé médico-sociaux, donc dans un souci aussi de dédier un temps à l'émergence d'idées, un partage entre pairs et débaucher finalement sur le terrain des plans d'action. Donc là, on est dans un projet qui a donc débuté dans d'autres départements et qui va être mené aussi dans le 13 et le 84. C'est l'objet de ce webinaire qui vise à vous présenter un peu ce qui pourra vous être proposé.
Juste pour information, en fait, c'est un projet aussi qui est mené sous la forme d'un COPIL. Il est suivi par un COPIL qui est composé donc de représentants de fédérations comme Nexem, FHF, FHP, la FEAP et OPCOSANTÉ, qui est un opérateur de compétences. Donc en fait, en cela, on a le souhait aussi d'avoir une vision un peu de vos problématiques, de la compréhension aussi des besoins. Donc c'est un projet qui est quand même à notre sens assez intéressant pour comprendre ce qui émane du terrain. À ce stade, on a pu constater qu'il y avait quand même un intérêt fort pour des problématiques selon les territoires. Et donc, on verra à votre niveau ce qui ressortira. Donc, au niveau de la présentation de ce jour, l'ARACT va vous présenter un peu ce qu'est l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, son statut. Ensuite, dans un second temps, vous verrez le contexte et l'intention du projet. En troisième partie, la méthode d'intervention de ce projet que donc nous finançons. Voilà, donc bienvenue à tous. Je laisse la parole à Noémie. Oui, merci Céline. Donc effectivement, je suis Noémie Cubot, chargée de mission à l'ARACT PACA. Donc l'ARACT PACA, c'est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et je dépends donc de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est l'ANACT. Donc l'ANACT, c'est un établissement public administratif qui a été créé en 1973 et qui comporte aujourd'hui donc 16 ARACT, donc des délégations en région en fait. Hein. Chacune des régions a une ARACT. Avec un siège qui est basé à Lyon. Et c'est un établissement qui est sous la tutelle du ministère du Travail. Donc, nos actions à l'ANACT, c'est des actions pour améliorer les conditions de travail et la performance des organisations. Et pour ça, on traite tout un tas de sujets qui sont les suivants et que vous voyez dans cette pâquerette-là, sur la droite, donc des champs thématiques de la QVCT, de la qualité de vie et des conditions de travail. Et donc, nos missions en ARACT PACA, c'est vraiment de venir contribuer à enrichir et diffuser l'offre de services de l'ANACT, donc de l'Agence nationale, sur tout le territoire, et de développer des projets propres à l'ARACT PACA. On propose des accompagnements qui sont destinés principalement aux TPE-PME, financiers entièrement ou en partie par de la subvention publique. Donc on a vraiment une mission de service public. D'où aussi l'expérimentation de ce jour, donc en lien avec l'AS. Donc, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Donc, nous, on accompagne des entreprises, que ce soit des accompagnements individuels ou des accompagnements collectifs, et donc pour une ou pour plusieurs structures. On fait également de la formation, pas mal de formations sur tout ce qui va être, par exemple, les démarches qualité de vie et conditions de travail. Ça va être aussi des formations sur les espaces de discussion autour du travail, par exemple, sur la charge de travail également. On a un module de formation sur ce sujet-là. On va être aussi sur de la diffusion d'outils et de méthodes, puisque c'est propre à nos métiers. Donc nous, on expérimente beaucoup. Et derrière, on va venir créer de la capitalisation et on va transférer ce qu'on a expérimenté. Donc le but de nos actions, nous, c'est de venir vraiment expérimenter pour qu'après, ce soit diffusé à l'ensemble du territoire. On fait aussi de la conception et de l'animation de dispositifs territoriaux ou sectoriels. Et puis tout ce qui va être de l'étude et de la veille, toujours autour des sujets, des conditions de travail. Donc nos thèmes de travail prioritaires, bon, je vous en ai parlé, c'est tout ce qui va être les démarches qualité de vie et conditions de travail, mais également la prévention de l'usure professionnelle, l'accompagnement des mutations du travail avec tout ce que ça comporte. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de transition écologique, de transition numérique. On a eu aussi cette ère suite Covid sur l'ère du télétravail. Donc comment est-ce qu'on met en place tout ça? Donc voilà, on peut accompagner ces mutations. On va faire beaucoup d'appui au dialogue social. Hein. Tout ce qui va être aussi les questions d'égalité professionnelle et puis évidemment les questions d'attractivité et de fidélisation qui nous réunissent aujourd'hui. Donc voilà pour la petite présentation du réseau ARACT-ANACT. Donc je le redis, je fais partie de l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail de PACA. Donc en ce sens, nous, on intervient sur les 6 départements de la région. Et donc, on va faire un petit focus sur le projet aujourd'hui qui nous réunit. Donc, comment est-ce que ce projet a vu le jour? Concrètement, c'est pas nouveau, on le sait tous, il y a des problèmes d'attractivité, de fidélisation, surtout dans votre secteur.
Et puis l'ANACT a cherché à regarder un petit peu ce qui faisait qu'un établissement, qu'une structure était attractive. On a repéré en ce sens qu'il y avait trois leviers d'action. Le levier autour du territoire, tout ce qui va être le cadre de vie, les relations avec les autres, la mutualisation des emplois, les services de remplacement. On a aussi un levier autour de l'image des métiers, avec tout ce qui va être le référentiel des métiers, la revalorisation salariale par exemple, les avantages sociaux, tout ce qui va être lié à la compétence également, la promotion par exemple. Et puis on a ce levier aussi sur la qualité de vie et les conditions de travail qui va être plutôt à l'échelle de l'entreprise. Et aujourd'hui, en ce sens, on pense que c'est un levier d'action qui n'est pas assez mobilisé et qui pour lequel on a vraiment un enjeu à aller travailler là-dessus, puisque c'est un enjeu qui va être propre à vos établissements, qui va être individualisé et qui est finalement un peu le seul levier sur lequel on peut agir aujourd'hui, nous en tant que professionnels. Donc on est parti sur l'attractivité à travers la QVCT, la qualité de vie et les conditions de travail, et c'est en ce sens que l'ARS est venue vers nous. Alors, au niveau de la méthode d'intervention qui agit là sur cette expérimentation, donc on vous le disait tout à l'heure, vous faites partie du laboratoire numéro 3. Le laboratoire numéro 3 qui réunit donc les départements du 13 et du 84. Mais avant vous, il y a eu deux laboratoires qui ont déjà commencé l'expérimentation, le laboratoire 1 avec les établissements du 06 et du 83, et le laboratoire 2 avec les établissements du 04 et 05. Finalement, un laboratoire, qu'est-ce que c'est? Un laboratoire, ben, c'est un espace de partage d'expériences et d'émergence d'idées. Donc, c'est un endroit, en fait, où on réunit les établissements et où on les fait travailler, partager, valoriser aussi cet esprit collectif, hein, cette intelligence collective, le tout pour une dynamique qui se veut collaborative et apprenante. Donc, un laboratoire, c'est un espace, voilà, dans lequel se réunissent un ensemble d'établissements. Chacun des laboratoires est composé de la façon suivante. Un laboratoire, c'est 6 à 10 établissements. Donc, pour faire partie de ce laboratoire, on va y revenir. L'idée, c'est que vous déposez un dossier de candidature. On sélectionnera ensuite ces 6 à 10 établissements. Ces 6 à 10 établissements, ils ne seront pas sélectionnés par hasard. On fera en sorte que ce soit 3 à 5 établissements du département 13 et 3 à 5 établissements du département 84. Chacun des établissements sera représenté par un binôme. Ce binôme, il est super important. Ça fait partie aussi des accompagnements que propose l'ARAC. L'ARAC ne s'engage pas si on n'a pas ce binôme. Il s'agit d'un binôme paritaire. On entend par binôme paritaire un représentant de la direction et un représentant du personnel. Donc, quand vous candidaterez pour participer à cette expérimentation, il faudra désigner dès aujourd'hui ce binôme qui sera le binôme représentant votre établissement. Je ne l'ai pas dit, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On prendra un petit temps, hein, pour répondre avec Céline également à toutes les questions que vous avez. Donc ça, c'était pour la constitution vraiment des laboratoires. Maintenant, qu'est-ce qu'on va y faire dans ces laboratoires? Dans ces laboratoires, on va y faire un premier temps qu'on appelle un temps d'hackathon. Alors, hackathon, c'est un terme un peu voilà, qui parle pas beaucoup. Mais finalement, un hackathon, c'est un atelier de partage. C'est un atelier au sein de ce laboratoire où on va réunir donc les établissements et où on va venir finalement ben, un peu articuler toutes ces questions d'attractivité pour qu'elles soient parlantes et pour qu'il en ressorte derrière des solutions concrètes que vous allez pouvoir tester. Donc, un temps d'hackathon qui se décompose en deux ateliers. Un atelier plutôt autour du cadrage, de la problématisation, où là, on va venir en fait... questionnez, vous, vos problématiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait problème chez vous en termes d'attractivité et de fidélisation? Où c'est que vous avez des leviers d'action, où c'est que vous n'en avez pas? On va venir questionner tout ça. Donc, chaque établissement pourra venir exposer sa problématique dans le cadre du laboratoire et de cet atelier. Et à partir de cette problématique, on va commencer à chercher des solutions. Donc, ça, c'est le temps de premier atelier, du premier hackathon. Puis, on aura un second atelier, environ une quinzaine de jours plus tard, sur lequel ben, finalement on va venir, à partir des idées qui auront émergé de ce premier temps, on va venir prototyper une action concrète à mettre en place sur le terrain. Donc ça, c'est les temps d'hackathon. Premier temps, on problématise, on cherche des idées. Deuxième temps, on vient prototyper notre action à mettre en œuvre sur le terrain. Deuxième phase du projet expérimental, une phase de test.
La phase de test, concrètement, c'est venir tester son prototype, tester l'action qu'on a pensée directement dans vos établissements, sur vos terrains. Ce temps de test, c'est vraiment un temps qui va vous permettre donc déjà de venir tester le prototype, mais également de venir un petit peu échanger avec vos équipes de terrain, voir ce qui est possible de réaliser, ce qui n'est pas possible de réaliser, et puis de se laisser le droit à laisser erreur. L'idée là de cette expérimentation, c'est de te dire on essaye. On essaye, ça marche, tant mieux, ça marche pas, on recommence, on fait différemment. Donc c'est aussi un temps qui est hyper important. Ce que vous voyez affiché là, la hackathon testing, ça fait partie de ce qu'on appelle le design thinking. Terme anglais, ne vous inquiétez pas. C'est une modalité d'accompagnement finalement qui réfléchit comme ça une façon de faire. Donc c'est pas inventé, c'est une méthode qui marche, qui fonctionne aujourd'hui, qui est prouvée, qu'on ose aujourd'hui vous proposer, puisque c'est une première aussi pour nous à la Recto PACA de venir expérimenter de cette façon-là. Mais voilà, on est plein d'attentes et on pense que c'est aussi quelque chose qui peut fonctionner, donc on vient aussi le tester avec vous. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on pourra y revenir sans souci juste après. Donc notre expérimentation est réalisée, qu'est-ce qu'on va venir créer derrière? Comme je vous le disais, la RACT a pour mission de transfert. Donc une fois l'expérimentation réalisée, on va venir co-construire en fait avec les établissements un cahier des récits. Donc justement, pour regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le terrain, pour le détailler, pour l'écrire. L'idée, c'est que ce soit partagé à tous. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont expérimenter et qui vont pouvoir enrichir ce cahier des récits. Et puis il y a ceux qui n'auront peut-être pas expérimenté, qui n'auront pas eu envie à ce moment-là, ou enfin, peu importe, mais qui pourront aussi se servir de cahier de récits pour pouvoir le mettre en place eux derrière. Il va également y avoir un petit film reportage, donc on a un prestataire vidéo qui va venir filmer tout ce qui se passe, que ce soit en atelier collectif, que ce soit au sein des établissements. Pareil, pour mettre en image un petit peu ce qui s'est passé dans le cadre de ce projet. Et puis on aura un gros événement de restitution en mars 2025 qui va venir finalement célébrer déjà la fin de ce projet et puis faire le bilan de tout ce qui s'est passé dans chacun des laboratoires. Et donc je vous le redisais, vous faites partie du laboratoire 3 avec les établissements du 13 et 84, mais il y en a eu deux avant vous. Donc les six départements de la région auront testé, auront expérimenté. Donc l'idée, c'est de faire un événement de restitution auquel vous serez tous invités, là pour le coup, établissements ayant participé ou pas. Il y aura aussi des partenaires, il y aura l'ARS, il y aura les FEDE. Ah, voilà, c'est vraiment un temps qui sera disponible à l'ensemble des établissements de la région. Alors vous, concrètement, en termes de planning, comment est-ce que ça va s'articuler? Donc aujourd'hui, webinaire de présentation. Ensuite, il y aura ce temps où il faudra, je vous le disais tout à l'heure, télécharger le dossier de candidature. Si vous souhaitez participer à cette expérimentation, il faudra absolument candidater. Je vais déposer, ou peut-être lundi, le dossier justement de candidature qui sera à télécharger. Il sera à télécharger sur le site de l'ARACT PACA. Je vais vous mettre le lien vers le site de l'ARACT PACA sur le chat, mais sinon vous retrouvez assez facilement et sur Google. Donc l'idée, c'est de télécharger ce dossier, de le remplir et de nous le retourner avant le 15 mai. Le 17 mai, on aura un COPIL, comme l'a énoncé Céline tout à l'heure, donc qui réunit l'ARS, nous, l'ensemble des FEDE, l'OPCO Santé. Avec ce COPIL, on se mettra d'accord sur les 10 établissements qui seront sélectionnés. Et on vous fera une réponse à partir du 17. Et je vous dis, le COPIL aura lieu le 17. Donc à partir du 17, on vous fera un petit retour et on vous annoncera quels sont les établissements qui seront sélectionnés. Ensuite, donc, viennent ces deux ateliers d'hackathon, ce que je vous disais tout à l'heure. Cet atelier numéro 1, là, qu'on appelle idéation, problématisation idéation, donc aura lieu le 10 juin 2024. Et cet atelier numéro 2 de prototypage qui aura lieu le 24 juin 2024. Ces deux ateliers auront lieu à la maternité de l'Étoile de Puy-Ricard. Et c'est des matinées, ce n'est pas des journées complètes, on est sur des matinées, donc de 8h30 à 12h30. Donc deux ateliers, deux matinées à la maternité de l'Étoile de Puy-Ricard. Suivront ensuite donc cette phase de test et cette phase d'expérimentation. Pour cette phase d'expérimentation, donc il y aura de nouveau pour les 10 établissements qui auront participé aux ateliers un temps de candidature pour venir nous exprimer le souhait de tester le prototype qu'ils auront créé.
Donc, tester le plan d'action, hein, concrètement. Ces deux établissements donc, seront retenus via les dossiers de candidature. Pareil, au sein du COPI, il faudra qu'on prenne la décision de qui sont les deux établissements qu'on retient. Et ils seront accompagnés donc, entre le 23 septembre 2024 et le 29 novembre 2024. Environ 3 mois, si je ne me trompe pas, 2 mois, un peu plus de 2 mois d'expérimentation. Donc, ces établissements seront accompagnés par nous, hein, par l'ARACT. Et viendra ensuite, donc le 13 décembre 2024, un temps de bilan du laboratoire. Donc les établissements qui auront testé leur prototype, qu'ils aient été accompagnés ou non, hein, reviendront donc lors de cet événement faire les bilans de ce qui se sera passé, de comment est-ce qu'ils ont testé, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qui a été à modifier. Voilà, on fera un point sur tout ce qui s'est passé. Donc voilà au niveau des dates. Concernant les critères de sélection, donc là vraiment on parle des dossiers de candidature pour que vous allez donc devoir télécharger sur le site de l'ARACT PACA à la suite de ce webinaire. Donc au niveau des critères de sélection, en toute transparence, donc je vous le disais tout à l'heure, on va sélectionner 5 établissements du département 13, 5 établissements du département 84. L'idée étant aussi qu'il y ait une répartition équitable entre les établissements du sanitaire et les ESMS. J'en parlais aussi tout à l'heure, il faudra bien évidemment désigner un représentant du personnel et un représentant de la direction. Sans ce binôme, on ne pourra pas accepter le dossier de candidature, donc super important. Il faudra nous détailler donc votre problématique, mais vous verrez, le dossier est fait pour que vous puissiez répondre et détailler justement vos problématiques. Il faut qu'on ressente cette disponibilité de pré-attester, hein, vous avez envie de faire. On est quand même dans une démarche qui vient pour tester un dispositif, donc vous êtes là aussi pour le tester. On va vous demander d'avoir un financement ARS via FINES. Et pour les EHPAD, donc un critère supplémentaire, il faut avoir 50% de places éligibles à l'aide sociale. Voilà. Céline, est-ce que tu as des retours à faire sur cette. Alors, il n'y a pas le son. Oui, non, excusez-moi, Noémie, j'ai eu, oui. En fait, je crois que des établissements souhaitaient voir le dossier de candidature, peut-être qu'il n'est pas encore mis en ligne. Il n'est pas encore en ligne, non. Voilà, donc ça sera par la suite, ça sera mis après le webinaire. Et oui, donc le critère des places éligibles à l'aide sociale pour les EHPAD est un critère important, puisque derrière nous aussi, ce sont des fonds publics et on souhaite aussi pouvoir œuvrer auprès des structures qui ont moins de moyens, on va dire, ou qui œuvrent aussi dans l'intérêt général. Donc oui, on souhaite aussi que le projet puisse accompagner de manière équitable un peu les territoires. Et l'engagement, oui, donc sous la forme de cette représentativité des représentants du personnel de la direction est très important. Donc dans le dossier, vous aurez un élément où il faut qu'on voit, enfin, c'est acté au travers de signatures et du nom de l'acteur, des acteurs concernés. Ensuite, une problématique explicitée dans le sens où il faut que ce soit développé. Après, on n'est pas dans l'idée, il faut pas, c'est pas de faire un dossier le plus performant possible, mais c'est aussi être au cœur de la réalité avec une compréhension de ce que vous avez pu mener, de ce que vous souhaitez mettre en place. Et voilà, on regardera qu'il ne s'agira pas de copier-coller, quoi, en quelque sorte, entre structures relevant un peu de même groupe, par exemple. L'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner au mieux, au vu de problématiques propres, et de pas. Voilà, en fait, c'est un tout. On regardera tous ces éléments et donc vos fédérations seront présentes dans le cadre du COPIL pour apprécier chaque dossier. Je ne sais pas si je reste bien dans l'esprit, Noémie. Oui, alors il y a pas Voilà. mal de questions dans le chat, on va peut-être essayer d'y répondre. Donc au niveau oui, du dossier de candidature, donc je vais essayer de le déposer soit là juste après, soit lundi dernier délai, il sera déposé sur le site. Donc pas de souci avec ça. C'est un dossier assez court à remplir, si je ne me trompe pas, il y a 5 pages, mais tout est détaillé dedans, donc vous y retrouverez pas mal d'éléments.
notamment sur ce que je viens de présenter. Donc, sur le site de la Recte PACA, les critères de sélection, donc prévoyez affichés. Pourquoi un seul établissement pour le test? Alors, un seul établissement pour le test, c'est une vraie question. Alors, déjà, en tout, il y en a deux, hein, un par département. Et c'est simplement parce que nous sommes que deux à la Recte PACA pour vous accompagner sur ce projet. Donc, finalement, on est assez contraints voilà, pour vous accompagner. Par contre, ce qui est dit, c'est que ceux qu'on n'accompagnera pas, on passera quand même du temps avec eux, notamment par des petits coups de fil ou des petits échanges visio s'il faut, pour revenir un petit peu sur comment ça se passe concrètement sur eux sur le terrain. On ne les laissera pas tout seuls non plus, même si on ne sera pas physiquement présent dans leurs établissements. Alors, on a les EANM. Alors, pardon, je ne connais pas tous les acronymes, je ne viens pas de vos secteurs. Financés par le CD ne sont donc pas éligibles. Est-ce que Céline, vous pouvez répondre à cette question? Alors, excusez-moi, j'étais en train. Les EANM. Financés par le CD ne sont donc pas éligibles. Alors, qu'est-ce que c'est si la personne qui a posé la question, peut-être. Alors, c'est Alors. Madame Peraldi, si elle veut bien se manifester. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Alors, EANM, établissement d'accueil non médicalisé, c'est-à-dire les ex-foyers de vie ou foyers d'hébergement, voilà. Qui Et en sont fait. sur un financement total conseil départemental. Ah oui. Alors, nous, c'est plutôt les établissements sanitaires et médico-sociaux, hein, publics, Ah, mais c'est privés. médico-social, les EANM, c'est du Oui. médico-social, pur et dur. Mais ce n'est Oui. pas financé par l'ARS, c'est financé par le conseil départemental. Alors, c'est vrai que nous, on est plutôt tourné sur les établissements relevant de, oui, fonction publique hospitalière ou alors. Qui relève de financement ARS, en effet. ARS, donc les foyers d'accueil médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées, des comme ça quoi. Après, peut-être déposer quand même votre dossier OK. et on va regarder parce que je ne crois pas qu'on ait eu ce cas jusqu'à présent. Dans l'idée, c'est vrai que non, on est plutôt pour œuvrer en effet sur dans les établissements que nous finançons. Merci. Même question pour les SIAD. SIAD, je ne sais pas du coup non plus Oui, comment ça. les SIAD. Alors les SIAD, pour le coup, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on a une précision peut-être sur... Parce que là, moi, c'est vrai que je suis RH en santé, je n'ai pas une connaissance de tous les services En fait, à l'aide à domicile. domicile, Oui, c'est ça c'est ce ça. grand service de soins infirmiers à domicile. Donc, on est sanitaires et sociaux. Et nous, les SIAD sont financés par l'ARS. Oui. Ben vous êtes rattaché, vous êtes rattaché aux établissements de santé, non? Voilà, c'est ça. Donc oui, je pense que c'est possible. D'accord. Bon, pareil, on fait un dossier, puis après, c'est ça. On voit si. Oui, en fait, concrètement, vos dossiers seront discutés lors du COPIL. D'accord. Donc c'est pour ça aussi qu'on se permet de vous dire de déposer et qu'on en discutera plus tard, même si je comprends que ça peut être frustrant pour vous de déposer pour après qu'on vous dise non. Mais c'est vrai que là, du coup, on n'est que deux représentantes de ce COPIL et on n'a pas les réponses à tout, malheureusement. Mais n'hésitez pas, voilà, à candidater. En tout cas, ce sera revu après en interne. Après, vous êtes un service à propos, vous êtes un service, les SIAD, donc vous êtes rattaché à une structure normalement, non? Pas forcément? Oui, ben, nous non, pas puisqu'on a plusieurs entités juridiques. Donc une, effectivement, C'est très flou, hein? on est rattaché à un SAD, D'accord. donc à Dar Provence. Mais par contre, on a une autre structure à Dar Provence Soins où là, on n'a que des SIAD. Et ça ne peut pas être porté, votre dossier ne peut pas être rempli par la structure et viser le SIAD dans le dossier de Oui, candidature? tout à fait, oui. D'accord. Oui. Bah D'accord. écoute, oui, s'il y a deux candidatures, oui, du coup. En fait, parce que finalement, c'est dans l'idée de... On peut viser un service qui serait accompagné dans le projet. Après, de l'étendre, l'étendre, hein, c'est. Oui, après l'expérimentation éventuelle, enfin après à terme, ce qu'il en est fait du projet, de ce qui a été
éventuellement proposer en termes d'expérimentation ou autre. En fait, le plan d'action peut être ensuite capitalisé, en effet, dans la structure dans son ensemble, mais dans tous les cas, le dossier de candidature, il est en principe déposé par l'établissement lui-même et peut viser un service. D'accord. Voilà, en fait, je regarde par rapport à... Parce que le public que vous visez, c'est quoi? C'est aide-soignant, c'est infirmier, c'est aide à domicile, c'est quoi? Alors, il y a on s'arrête à finalement, il n'y a pas de public, on bloque. Voilà, on peut viser des services administratifs, on peut viser des Ok. personnels soignants. Dans l'idée, c'est la problématique propre à un service, enfin, un service. Ça peut être, c'est en principe une petite entité, quoi. Enfin, une petite unité, pardon. Ou une unité, quelle qu'elle soit, administrative. Ou... Enfin, je veux pas me. Parce que nous, c'est vrai qu'on ne mène pas sur le terrain le projet. Noémie, si vous voulez compléter. Non, mais c'est vrai qu'on ne cible pas. On est notamment, si je peux vous donner à titre d'exemple, lors des deux premiers laboratoires, on avait des problématiques assez larges. Premier laboratoire, on est plus sur des questions d'attractivité et d'intégration des nouveaux. Deuxième laboratoire, on est plus sur de la fidélisation des anciens à travers des leviers de motivation, par exemple, de communication interne. Voilà. Donc finalement, c'est assez transversal, donc pas de population pré-ciblée. Pas du tout. On peut s'adresser à un service, à l'ensemble de la structure, voilà, en fonction de la taille, voilà, sur des problématiques qui sont assez larges. D'accord, parfait. Voilà, si ça répond à votre question. Merci. Et donc, ça répond peut-être aussi à la question qui a été déposée sur le chat. Pouvez-vous nous dire ce que vous attendez sur les problématiques? Donc, c'est des problématiques forcément en matière d'attractivité, de fidélisation que vous rencontrez directement dans vos structures. Donc à détailler, c'est pas très long, hein, on vous demande un petit paragraphe lors de vos rendus de candidature. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y en a une qui vient d'apparaître là dans le chat. Nous sommes un groupe d'employeurs qui souhaitent organiser la fusion entre notre service de soins infirmiers à domicile, qui inclut une équipe de soins Alzheimer, et notre service d'aide à domicile pour créer les services autonomie en lien avec le décret de juillet 2023. De ce fait, nous aurions des salariés rémunérés sur un budget ARS et des salariés rémunérés par le département. D'où le questionnement quant à la présentation de notre projet. Pareil, déposé. Déposé et ce sera rediscuté après en interne. Effectivement, s'il y a de l'ordre du financement ARS, pourquoi pas? Alors non, Alors, pas de financement à la clé. C'est un projet qui est financé par l'ARS, donc qui vous permet de bénéficier d'un accompagnement à titre gratuit. Pour autant, nous ne mettons pas de financement à disposition des établissements. en fait, c'est l'ARS qui finance l'accompagnement qui est mené par l'ARACT. Sur quel type d'action? Non, alors je crois qu'on a une autre question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Des financements ARS, sur quel type d'action? Pardon, c'est possible que j'ai sauté. Alors, en fait, il n'y a pas de. Le dossier de candidature ne permet pas d'avoir des crédits qui seront versés aux structures. Ça permettra, donc les dossiers de candidature permettront de sélectionner des établissements qui pourront participer aux ateliers. Et à l'issue des ateliers, il y aura une autre sélection possible sur la base du volontariat aussi, parce que c'est pas le testing en structure n'est pas forcément l'étape obligatoire. Certains établissements pourront estimer qu'ils ne sont pas encore prêts à mener une action sur le terrain. Ils auront eu besoin en amont d'échanger sur la connaissance des bonnes pratiques sur la méthodologie et ils pourront après à terme avec leur prototypage mener une action dans un second temps. Enfin, si je voudrais pas, ça c'est plus Noémie qui pourra le dé développer, mais dans l'idée, les crédits, il n'y a pas de crédit, c'est pas un appel à projet
en vue de financer des actions de prévention des TMS, RPS, par exemple. Là, on est dans le cas de figure où l'ARS soutient un projet et nous avons donc financé ce projet en lien avec l'ARACT en vue de déployer en fait voilà des actions au vu de vos besoins. Qu'on ne peut pas d'ores et déjà identifier et qui vise aussi, ce projet vise aussi finalement à diffuser des bonnes pratiques, à mettre en relation, faire émerger des idées, mettre en relation les pairs, voilà, les acteurs du terrain et voilà, finalement développer aussi l'intelligence collective au travers de tous ces échanges. L'idée, c'est aussi de vous rendre autonome, hein, sur les actions que vous allez prototyper et tester. Nous, on va vous donner des outils et des méthodes pour que vous puissiez derrière les appliquer sur vos terrains. D'où l'action financée là aujourd'hui par l'ARS. Avez-vous des exemples de projets qui ont déjà été mis en place? Alors, mis en place, non, puisqu'on en est avec les autres laboratoires à la phase où ils candidatent là pour passer au test. Donc, on a identifié pour le premier laboratoire les établissements qu'on va accompagner. Pour le deuxième laboratoire, ils ont juste fini les ateliers, ils sont en train de candidater pour arriver à la phase de test. Par contre, des prototypes qui ont été pensés, on en a. Donc, pour vous donner à titre d'exemple, on a par exemple un établissement qui va tester le recrutement inversé, c'est-à-dire ben, regarder le profil du candidat en fonction des réalités du terrain. Et donc, lors de ses entretiens, il va aussi se présenter aux équipes, puis les équipes pourront faire des retours sur le candidat, donc ce genre de choses. Justement pour faciliter et on espère derrière fidéliser le candidat. On a des établissements qui vont repenser les temps de transmission, donc dans le cadre plutôt d'un établissement qui aurait besoin de remotiver ses salariés, donc repenser les temps de transmission. Ça va être des établissements, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre comme exemple? Donc beaucoup au niveau de l'intégration de nouveaux arrivants. Des prototypes qui ont été pensés autour d'actions de partage collectif, autour d'actions de mise en relation entre les professionnels et les services, notamment par exemple, je pense à des psychologues dans des EHPAD qui pourraient se sentir un peu exclus de l'équipe parce qu'ils sont là que 2 jours par semaine. Donc c'est comment aussi hein, ce qu'on peut fidéliser ces professionnels. Enfin voilà, il y a tout un tas, chacun en fait à penser son action en fonction de sa problématique. C'est aussi l'intérêt de ce projet. Et d'après, aller tester cette solution proposée directement sur le terrain. Redonner du sens, oui. Redonner du sens aussi aux équipes sur les perspectives d'évolution de carrière, des choses comme ça aussi. On a ces sujets-là. On a qui vont mettre en place à titre mensuel, il me semble, des temps dédiés vraiment aux équipes où on va pouvoir parler bah d'objectifs d'évolution de carrière, par exemple, le tout en intelligence collective. Enfin, voilà, il y a des temps vraiment qui sont dédiés à aller tester une solution proposée. Alors, on a encore une question sur le financement dans la phase de test, mais non, toujours pas. En fait, l'ARS finance beaucoup de choses, mais pas tout, hein. Donc là, en effet, non, c'est un accompagnement, comme on le disait, en termes de méthodologie. Après, ce n'est pas intégré dans ce projet le financement de votre action sur le terrain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, le slide de financement ARS via FINES porte à confusion peut-être, d'accord. Alors, c'est financement ARS via FINES. D'accord, dans les critères de sélection, c'est parce qu'en fait, on va regarder le numéro FINES parfois aussi dans les dossiers pour comprendre votre statut, en fait.
C'est peut-être comme ça que vous vouliez le préciser, Noémie, peut-être dans les critères de sélection. Parce qu'on Oui, a que une. l'établissement est un numéro finesse finalement. En C'était. fait, c'est parce que via le numéro finesse, on peut déterminer quelle est l'activité de la structure. Et oui. En fait, c'est pas. En fait, il est important, voilà, de remplir votre dossier en renseignant tous les champs dédiés. Bon, là, c'est vrai que vous ne le voyez pas parce qu'il n'est pas encore mis en ligne, mais vous l'aurez bientôt. Et en fait, au vu de l'activité, au vu de votre, voilà, votre secteur, on pourra, on fera des choix aussi avec des critères de. Bah, on notera en quelque sorte, si vous voulez, avec les fédérations aussi. On fera une règle, en fait, on fera une moyenne en fait, de nos choix. C'est sûr que peut-être que ça peut paraître frustrant, mais ça fera quand même déjà 10 établissements accompagnés par laboratoire. Et on veillera à sélectionner aussi ceux qui nous semblent peut-être le plus en difficulté. Voilà. Mais c'est vrai que les établissements de la territoriale, a priori, ça, qui sont financés par le conseil départemental, ça ne relève pas de notre secteur. Hein. Très bien, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clôturer ce webinaire. Dernière chance, s'il y en a quand même. Sinon, ben, il est temps pour nous de vous remercier en tout cas de l'intérêt que vous portez à ce projet. Et puis on espère voir vos candidatures à la suite de ce webinaire. Donc je le redis, j'ai déposé le dossier de candidature là, soit dans l'après-midi, soit lundi. Mais vous serez bien évidemment informés. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle après-midi et puis un bon week-end du coup qui suit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bientôt, je l'espère. Bon Bon week-end. Merci, au week-end. revoir. Au revoir. Merci à tous. Revoir.